Alors, nous nous situons à Achad do Teixeira. Et la randonnée du jour se nomme Vereda do Pico Ruivo, ou le chemin qui mène à Pico Ruivo. C'est le parcours recommandé 1.2. Et voilà où nous nous situons. Très proche de la cordillère centrale, sur sa face nord, ici, étant Santana. La distance depuis Achad do Teixeira jusqu'au Pico Ruivo est de 2,8 km. Il faudra 1h30 pour rejoindre le sommet le plus haut, qui culmine à 1862 mètres, pendant que le départ est à 1592 mètres. Voilà le chemin depuis Achad do Teixeira. Nous arrivons jusqu'au refuge et à partir de là, nous rejoignons le pic le plus haut. Vous pouvez également partir vers l'ouest en direction d'Encumeada, ce sont 13,5 km. Aller vers Pico Arriero, ce sont 7,9 km. Ou aller vers Ilia, 9,3 km. Et voici un graphique du dénivelé au départ de Achad do Teixeira jusqu'à Pico Ruivo. Journée magnifique. Ici, là, le troisième pic le plus haut, Pico Arriero. Le sommet est là-bas et nous arrivons au refuge. Pico Ruivo. 1862. Voilà ici une vue claire et dégagée sur le refuge. Ici c'est Santana et là c'est Saint-Georges. Waouh! Alors ici, nous avons Porto Santo. Là, c'est la partie est. C'est Porto da Cruz. Là, c'est la vallée de Machico. Ici, là, ce sont les îles désertes. Pico Arriero, troisième pic le plus haut, 1818. Une partie de la vallée des Nones. Et là, c'est le plateau Paul Dacer avec les éoliennes. Le chemin, il passe là. Il continue ici. Passe à la base de la montagne et nous allons déjeuner juste ici.
ensuite passer dans le petit tunnel qui nous emmènera de l'autre côté. Hop là. C'est là. Hello. Alors voilà le chemin à suivre. Le chemin continue là-bas. Avec un tunnel. Un deuxième tunnel. On monte cette première paroi. On traverse un tunnel. On monte la paroi qui est derrière. Pour ensuite marcher sur la crête. Pour aller vers le Pico Arriero. Tu vas à ton rythme. Non, non, mais des fois, respire comme il t'a dit. Hein.